J'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Je suis une ménagère. Pendant la saison pluvieuse, je pratique l'agriculture. Après la saison pluvieuse, je fais le commerce. Je pars au marché de Goumaka, les jours de marché, pour vendre du mil, de l'arachide et du sorgho et autres. Il y a un certain temps, mon enfant est tombé malade. Les relais communautaires sont passés au niveau du ménage, ont dépisté mon enfant et ont trouvé qu'il souffrait de malnutrition aiguë modérée. J'ai amené mon enfant au niveau du foyer où il a été traité. Le FARN, comme son nom l'indique, est un foyer d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle. Les relais communautaires prennent en charge les enfants dépistés, atteints de malnutrition aiguë modérée, et les mamans lumière préparent de la bouillie enrichie et font aussi des sensibilisations pour les mères de ces enfants. Je m'appelle Kaltam Hichem, je suis une maman lumière. Avant l'arrivée du projet, il y avait beaucoup d'enfants mal nourris au niveau de Kadour. Maintenant, nous avons constaté des changements dans la communauté. Ces foyers sont très importants pour nous et la communauté. Même être devenue une maman lumière a changé ma réputation vis-à-vis de la communauté. Quand nous partons visiter des frères dans nos ménages, les gens nous respectent. Nous sommes fiers de continuer avec ces activités. Pour moi, la FARN, ce fut une école, car au niveau de ces FARN, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à préparer la bouillie enrichie, les règles et aussi les bonnes pratiques d'hygiène et les actions essentielles pour la nutrition de mes enfants. Depuis que je viens au foyer, j'ai remarqué un grand changement au niveau du ménage, surtout en ce qui concerne l'hygiène. Avant le projet, il n'y avait pas de centre alpha ici. Depuis l'arrivée du projet Revanche, nous avons maintenant un centre alpha où les bénéficiaires se réunissent pour faire des cours. Avant, nous ne savions ni lire, ni écrire, ni compter en arabe. Et maintenant, nous arrivons à compter et même à écrire notre nom. Nous avons eu des leçons sur la protection de l'environnement, l'hygiène et l'assainissement. Avant, nos enfants n'étaient pas propres. Maintenant, avec l'enseignement au niveau des centres alpha, on nous a appris comment nous laver, laver les enfants et leurs habits, ainsi qu'à balayer nos maisons. Nous avons appris tout cela au niveau des centres alpha, dans un cours pendant 4 mois. Chacune de nous a reçu 112 000 francs CFA pour les 4 mois. Avec cet argent, nous avons pu amener nos enfants à l'école. Et surtout, avec l'arrivée du projet, nous sommes devenus maintenant autonomes. Ha 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 ha!